Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vous fais faire des décollages d'avion. Alors, un petit truc fort simple aujourd'hui, un exercice en fait pour vous faire réaliser à quel point c'est important que la corde vibre sous votre archet. Donc, pour en prendre conscience et aussi vous libérer un peu des tensions qu'on peut avoir parfois avec l'archet, je vous invite à faire cet exercice très simple qui s'appelle le décollage de l'avion. Alors, on s'installe sur la corderie, mais éventuellement, on va pouvoir faire l'exercice sur toutes les cordes. Et on va tout simplement faire un grand cercle avec notre bras. Donc, imaginez que votre archet est un avion qui décolle sur la piste de décollage et donc va avoir une bonne vitesse. Et lorsque on va arriver au bout de la pointe, on va vraiment décoller l'archet. Alors, je vous montre l'exemple. Et on peut refaire encore. Bon. Donc, lorsque vous arrivez au bout de l'archet avec la pointe, laissez vibrer la corde. Donc, on veut éviter d'avoir ce genre de son-là. Où on sent une tension, une contrainte dans le son. Laissez aller vraiment votre archet avec une impulsion. Décollez. C'est bon, donc vous pouvez le faire sur toutes les cordes. C'est sûr que lorsqu'on est sur la corde de do, il faut vraiment avoir une bonne vitesse, mais en même temps un bon poids pour réaliser l'exercice. On se replace. Donc, sur la corde de sol et la corde de la aussi, ce serait le même principe. Maintenant, et c'est la partie la plus intéressante de l'exercice, on peut faire la même chose, mais en partant de la pointe. Donc, notre avion s'en va par là. Et va décoller dans quelques secondes. Et on revient au point de départ. Bon, encore une fois, on veut éviter d'avoir un son qui est dur, tendu. Donc, laissez aller l'archet, décollage. Point de départ. Sur toutes les cordes, encore une fois. Donc, sur do aussi. Bon, donc, petit truc fort simple qui peut être un bon réchauffement à faire. Portez attention au son que vous produisez, la vibration du son aussi lorsque vous avez enlevé votre avion de la corde. Et c'est un exercice que je vous recommande de faire les yeux fermés pour être encore plus attentif à vos sensations et au son que vous produisez.